allumeur de réverbère. C'est dans le petit prince Saint-Exupéry qu'on avait ça, je pense. Ah, quelque chose comme ça. Hein? 6 heures. Ah, oh, vous avez adoré cette voix, madame. Voyez comment la vie, c'est plus fort que tout. Hier, les larmes aux yeux graissent. Pas de télé, pas de télé, pas de télé. La dynamo. C'est bon.
C'est toujours inquiétant quand on regarde ce qui se passe là-bas, mais pour une 26e nuit consécutive, l'OTAN qui a continué ses bombardements sur le territoire yougoslave, il y a le Parlement provincial de la province de Vojvodine à Novi Sad, c'est la deuxième ville en importance en Yougoslavie, qui a été bombardée. Pristina, également la capitale du Kosovo, en particulier l'aéroport qui a été la cible des forces de l'OTAN. Et puis, le problème qui reste encore vraiment là, triste, c'est le problème des réfugiés. Toujours le problème numéro un, à mon avis, dans tout ça. Alors, images satellites qui ont monté apparemment plus d'une quarantaine de charniers au Kosovo, simplement. Alors, des gens qui ont été, au nom de la purification ethnique, qui ont été abattus et enterrés dans ces charniers, sans autre forme d'inhumation. Et c'est à force des gens à fuir. On dit qu'il y en a 750 000 qui ont quitté le Kosovo depuis un an. Ces gens-là qui se réfugient en Macédoine, en Albanie, donc dans les pays voisins. Et ce matin, on apprend là, qu'il y a des dizaines de milliers de réfugiés terrorisés par ce nettoyage ethnique, justement, qui ont été empêchés de quitter le Kosovo parce que les Serbes auraient décidé de fermer les frontières, imaginez. Alors, les gens sont menacés d'extinction et en plus, on leur ferme la frontière pour qu'ils puissent profiter. Voilà. Alors, c'est épouvantable. Entre-temps, ben, il y a le Canada qui décide d'augmenter le nombre de ses appareils là-bas. Il y en a 12 actuellement, des F-18, et là, on va augmenter ça de 6, on va les augmenter à 18. Depuis une semaine, aujourd'hui, nous sommes dans une petite ville. Ben oui, j'ai appris ça au retour. Mon épouse en a parlé aussi beaucoup. C'est très triste ce qui se passe. Jolène Riendo, dont on est toujours sans nouvelles, et ça devient de plus en plus inquiétant, là, ce qui a pu se passer. Oui, effectivement, elle est disparue du domicile depuis maintenant près de 5 jours. En fait, à 16h30, très précisément, aujourd'hui, ce sera 7 jours. Donc, on est sans nouvelles de Jolène Riendo. Vous le voyez, les policiers, hier encore, ont fouillé tout le secteur de Pointe-Saint-Charles, mais vraiment, le périmètre a été agrandi, je vous dirais, presque à la grandeur de l'île de Montréal. Il y a même eu des recherches qui ont été effectuées sur la rive sud, également sur la rive nord. Mais là, les policiers ont décidé de changer de stratégie, puisqu'on a vraiment fouillé tous les secteurs où on croyait qu'elle pouvait se trouver. Alors, à partir de maintenant, les enquêteurs vont se concentrer sur les nombreux appels téléphoniques qu'ils ont reçus, et ce sera la nouvelle stratégie employée au cours des prochains jours. Vous le voyez, pour votre information, en 1998 au Canada, il y a eu 9562 disparitions d'enfants. Dans 78 % des cas, il s'agissait de fugues, mais dans moins d'un pour cent des cas, ça s'est soldé par des crimes. Alors, on espère évidemment que Jolène Riendo ne sera évidemment pas dans ce pourcentage, on comprend. Merci, Dominique. Au revoir. Il y a le coroner qui se prononce sur la sécurité dans le transport scolaire. Oui, encore, il y avait eu le rapport Bouillard il y a quelques années, souvenez-vous, où il n'avait pas été très tendre à l'égard de ce transport d'écoliers. Bien là, un autre rapport qui est tout aussi sévère, Marie. Oui, en décembre dernier, Michael Dulac, 5 ans, est mort écrasé par un autobus scolaire à Saint-Henri-de-Lévis. Sur le rapport du coroner, au moment de l'accident, le numéro d'identification d'autobus est affiché dans la vitre avant du véhicule. Il y a aussi un système de dévivrage qui avait été ajouté par la compagnie de transport dans le pare-brise, qui fait que le champ de vision du conducteur était diminué de 75 % dans un miroir. Maintenant, la coroner Louise Nollet a fait une série de recommandations et demande, entre autres, au ministère des Transports d'être beaucoup plus clair, beaucoup plus strict en ce qui concerne la visibilité des conducteurs d'autobus scolaires dans le Code de la sécurité routière. Est-ce que ce sont des recommandations qui rejoignaient celles du rapport Bouliane qui n'ont pas été appliquées, finalement? Oui, sensiblement. Rappelez-vous que le coroner Bouliane a émis ses recommandations en 92 et depuis, on n'avait pas eu d'accident dans le monde scolaire, dans le monde des autobus. C'était le premier, le décès de Michael Dulac. On dit que les recommandations n'ont pas été mises de l'avant. Et ce qui aurait fait diminuer les risques, c'est la prévention et le message de sécurité qui circule. Merci, Marie. Au revoir. À plus tard, Marie. Il y a M. Parizeau qui reprend sur France. Oui, bien, il reprend du galon avec le Bloc québécois cette fois. Bon, ben, disons que d'abord, en fin de semaine, c'était grande assemblée des membres du Bloc québécois, en fait, le conseil général qui avait lieu à Rivière-du-Loup. Alors, ce qu'on retient de cette rencontre-là, ben, c'est qu'il y a un débat qui reste ouvert vraiment sur la notion de québécois. Qui est québécois? Alors, deux notions qui sont encore au cœur d'un débat, là. Alors, une personne qui choisit d'être québécois, plutôt qu'un Canadien, ou Canadien plutôt que Québécois, ça c'est une des notions qui est avancée. Et l'autre, c'est citoyen canadien qui réside au Québec au moment de la souveraineté, donc il est automatiquement Québécois. Alors, ça va faire l'objet d'autres débats. Maintenant, M. Jacques Parizeau qui dit, lui, qu'il opterait pour un dollar américain si jamais le Québec est devenu indépendant. Souvenez-vous qu'en 1995, au moment du référendum, on disait qu'on allait retenir le dollar canadien, mais là, M. Parizeau, vu l'extension du marché commun, si vous voulez, nord-américain, il opterait plutôt pour un dollar américain. Et maintenant, il dit que le Québec doit profiter d'ici là de toutes les tribunes internationales pour faire la promotion de sa souveraineté. Un mot de transport en commun à Toronto. Transport en commun à Toronto, c'est grève majeure, là. 7 800 employés qui sont en grève, 800 000 personnes affectées par ce débrayage en transport en commun.
présente lors de la définition de ce que c'est qu'un Gateway Point. Elle devait être là. En fait, elle devait être à la presse de samedi, je crois. C'est Frédéric Demers. Frédéric Demers, c'est celui qui est l'auteur d'un texte universitaire, une recherche portant sur Céline Dion, qui répondait à Mme Suzanne Tremblay, parce que Mme Tremblay avait dit que Céline Dion n'était plus vraiment québécoise. Pas canadienne. Même pas canadienne, en plus. Ouais, je pense qu'elle a mis le pied dans la bouche un peu, parce que là, c'était invité, entre autres, par les nombreux exemples que citait Frédéric Demers dans cette étude-là, lorsque c'est présenté à Oprah Winfrey, avec toute sa famille. En quelle langue est-elle chantée la petite chanson familiale en français sur grande émission américaine. N'oubliez pas que cette semaine, deux choses importantes. Semaine de la secrétaire et semaine de l'action bénévole également. Ouais. Tu sais, chaque année, 3 millions de personnes donnent chaque année gratuitement de leur temps pour venir en aide à leurs semblables. Il y aura une grande journée de reconnaissance de l'action bénévole le 22 avril de cette semaine. 6h16, José, vous qui avez fait monter les pronostics en fin de semaine, En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que le beau temps va se poursuivre un peu partout sur l'ouest et le centre de la province. C'est entre autres le cas pour Montréal et Laurentides, à Nazaire ainsi qu'à Montérégie. On aura un mélange de soleil et de nuages. Il faudra profiter aujourd'hui, puisque dès demain, on aura beaucoup plus de nuages, et ça pour le restant de la semaine, pour à peu près tous les secteurs du Québec. Sur l'Outaouais, par contre, c'est un peu plus nuageux. On aura seulement quelques percées de soleil. Il y a aussi un 30% de risque d'averse ce matin. Des températures, toutefois, vraiment agréables aujourd'hui. Mercure va grimper jusqu'à 14 degrés, donc quelques degrés au-dessus des normales de saison. Sur le centre du Québec, ce sera très beau aujourd'hui sur la Mauricie. Profitez-en, seulement quelques passages de nuageux. Pour Québec et la Beauce, alternance de soleil et de nuages. Sur les cantons de l'Est et les bois francs de Drummondville, c'est du soleil ce matin, ça s'ennuie graduellement en après-midi. Il y a aussi des petites averses de pluie prévues en soirée. Des températures entre 9 et 14 degrés. Plus à l'est de partout, c'est surtout nuageux aujourd'hui. On aura quand même quelques percées de soleil, entre autres pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent. Seulement 30% de risque d'averse. Pour la Côte-Nord et la péninsule gaspésienne, des éclaircies ce matin. Ça s'améliore en... Non, les Gary Batman. Gary Batman qui n'a pas été le plus applaudi. Il me semble que je regardais Gary Batman hier et que je voyais donc Wayne Gretzky. Ah, dans quelques années, il me semble donc. Je pense que ça rejoint l'idée de Danny Dubé, ça. Ah oui? J'ai pas parlé de Danny tout à fait. On va développer l'idée de Danny un peu plus tard. Wayne Gretzky, il y a eu des compagnons, d'anciens compagnons qui sont venus voir, comme Mark Messier. Il était fort ému, donc toute une fête hier pour Wayne Gretzky. Pour ce qui est du match en tant que tel maintenant, parce qu'il y a eu quand même un match de hockey, les deux équipes se rencontraient, les Penguins et les Rangers de New York. Les Penguins ont pris les devants 1-0. Et qui est-ce qui a préparé le but égalisateur? Regardez-le dans le bas de votre écran, il va faire une superbe passe, un beau jeu de Schneider, et c'est le but. C'était ça, là, c'est en plein ça, c'était 1-1. Jeannette était contente, tout le monde également au Madison Square Garden. Mais peut-être ça relève dans la Ligue nationale. Jaromír Jágr a marqué le but victorieux. 2-1 hier, victoire des Rangers. Le flambeau est passé, c'est le seul qui reste avec un beau talent naturel. Absolument. Actuellement, dans la Ligue, on peut dire c'est l'année Carrier, mais actuellement, Jágr, en tout cas dans mon livre à moi, avec un livre de plusieurs, il est un talent tout à fait superbe. Est-ce qu'il y a des matchs hier qui avaient de la signification? Boston, hier, a perdu 3-1 contre Philadelphie. Il faut mentionner également que les Sabres de Buffalo ont réussi. Ah, je me suis trompé, je vous présente la course au trophée Maurice Richard. Okay. Petite erreur de tableau, j'ai ma faute, je m'excuse. Et regardez, c'était Mousselani quand même qui va chercher le trophée Maurice Richard cette année. Il n'y a pas de compteur de 47 buts cette année pour le meilleur buteur dans la Ligue nationale. Mentionnons très rapidement que Philadelphie a gagné hier, Buffalo a gagné, Saint-Louis et également l'Avalanche du Colorado. Et dans le hockey junior, les Remparts sont toujours vivants? Oui, les Remparts sont toujours vivants. Certains n'ont pas perdu hier. Ils ont gagné devant 15 341 spectateurs qui étaient réunis au Colisée de la vieille capitale. Vraiment, à Québec, on vibre au rythme des Remparts de Québec qui tirent maintenant derrière 3-2 dans leur série face aux Titans d'Acadie Batters. Votre favori, M. Gagné, a réussi 2 buts hier pour la formation des Remparts de Québec. Donc, il a inscrit son deuxième but du match qui devait s'avérer le but victorieux. Ramzi Abid a également marqué pour le Titan d'Acadie Batters. Il y avait quand même une course de série quand hier? Oui, ça a quasiment passé sous silence, mais le Grand Prix de Long Beach semble sourire à l'équipe Ganassi. C'est la recrue et ce bonhomme-là, ce n'est pas la recrue que l'on voit ici, parce que c'est Patrick Carpentier qui est dans le mur, malheureusement, accrochage, mais Juan Montoya a remporté la course hier et je lis depuis plusieurs années les revues spécialisées européennes concernant le sport automobile et depuis longtemps, on l'attend, ce jeune-là. Il est âgé de 23 ans seulement. C'est lui qui remplace Alex Zanardi, qui est chez Williams.
Et ce bonhomme-là pourrait retourner en Formule 1 très rapidement. Est-ce qu'il fait des bains avec la voiture? Non, il n'en a pas fait du moins hier. Les Expos? Oui, hier, ils ont une victoire pour les Expos. Ils ont gagné par la marque de 4-2 contre les Mets de New York. Ils sortent de New York avec 2 victoires contre une défaite. Ce bulletin de sport, une présentation du laboratoire Suractif. L'identité québécoise et puis un texte fort intéressant de Stéphane Béargeon sur ces mosaïques en stock. Alors tout ça pour dire qu'aujourd'hui, au musée de la Pointe-à-Calière, le gouvernement va remettre officiellement à la Syrie 39 mosaïques millénaires qui étaient entrées de façon illégale au Canada. Dans la presse, la une se fait avec le Kosovo qui se vide, pendant qu'on dit que l'OTAN privilégie toujours les bombardements. On parle de M. Parizeau qui adopterait le dollar américain dans un Québec souverain, donc ce qu'il a dit hier au Bloc québécois, et puis la rencontre de Nathalie Petrovski avec Pierre Grand, le beau bossu de Notre-Dame de Paris. Alors, Garou, comme quoi donc Robert Charlebois n'a plus ce titre. Le Journal de Montréal nous parle des automobilistes, alors attention, dit-il, aux contraventions. Et surtout, ce sont les adieux émouvants de la merveille Gretzky qui entre dans la légende. Le Soleil de Québec fait sa une avec le transport scolaire. On veut éviter que d'autres autobus écrasent les écoliers, donc on les décèle plusieurs lacunes. On parle dans le droit d'Ottawa de cette cruelle absence, tristesse et recueillement pour les victimes de la tuerie d'Ottawa et Transpo. Et dans De Gazette, eh ben, l'adieu au Garden hier de New York à Wayne Gretzky. Également dans De Gazette, la dénonciation des charniers du Kosovo. À part ça, dans le Journal de Québec, on dit que la merveille devient légende, mais que les remparts russes sont toujours bien vivants. Le nouveliste de Trois-Rivières dit que le 11e salon du livre de Trois-Rivières a accueilli 15 000 visiteurs. C'est énorme et on est presque déjà complet pendant 2000. La Tribune de Sherbrooke fait sa une avec la disparition du numéro 99. Le quotidien de Chicoutimi traite de l'hommage aux victimes de la tuerie d'Ottawa. 5 000 personnes et dans au centre Carroll. Et dans l'Acadie Nouvelle, Wayne Gretzky, c'est fini. 99 fois, merci. Et dans les textes d'opinion, ça peut être... On va parler de plusieurs sujets. Il sera question du rapport Nicolet, du Bloc québécois, du Parti libéral de Jean Charest et des arbres de Notre-Dame-de-Grâce. Des arbres de Notre-Dame-de-Grâce. C'est piquer notre curiosité, là. C'est important ce que l'on raconte sur la première page du Journal de Montréal concernant les contraventions, parce qu'en fin de semaine, il faisait beau, on a été un peu plus pesant. Et malheureusement, j'ai cru constater en circulant sur les routes que des personnes qui achètent des voitures sans clignotant, on change de voie sans les actionner. Fais attention. Si on prend 3 minutes, dans quelques secondes, aux nouvelles, tantôt nous reviendrons sur cette manchette que vient de souligner Serge. L'Oblast est sous surveillance pour l'approvisionnement, ce qui faisait la force de Steinberg, parce que M. Steinberg voulait que les magasins s'approvisionnent à la maison. Et bien sûr, Wayne Gretzky, qui a fait un dernier tour de piste hier au Madison Square Garden. On a dit chanter, on va pas dire aboyer. Ah, lui, comment ça va? Et lui, qu'est-ce qu'il a vu? Ah, c'est bien, j'ai l'impression dans ces concours-là, des fois, c'est le maître qui chante plus que la bête. Ça nous conduit à presque 7h moins 12 minutes. Maintenant, c'est temps de parler sport. Ah, il est vraiment déjà de son vivant, un immortel, une légende de son vivant. Ouais. Surtout que là, dans la Ligue nationale de hockey, personne ne pourra porter le numéro 99. On imaginait mal quand même de quelqu'un qui serait arrivé dans la Ligue nationale de hockey et qui aurait porté le chandail 99. Surtout s'il l'avait mis dans le côté de son pantalon, ça aurait été encore pire, hein? Quoi qu'il en soit, Wayne Gretzky a été fêté de belle manière hier au Madison Square Garden de New York. Oui, je sais, ça nous a fait perdre quelques heures de soleil hier après-midi, mais je crois que ça valait la peine de regarder des cérémonies comme on l'a vu hier après-midi. Wayne Gretzky, qui donc a été pris par l'émotion, il faut bien le comprendre, hein, avec la carrière comme il a connu. Et surtout, les hommages qu'on lui a rendus hier, ça a été tout à fait extraordinaire. Il a joué donc 1487 matchs dans la Ligue nationale de hockey en saison régulière, 894 buts, 1963 passes pour un total de 2857 points. C'est la fin de la carrière de Wayne Gretzky. En passant, il a obtenu une passe hier sur le seul but marqué par les Rangers. Les Rangers qui ont perdu 2-1 contre les Penguins de Pittsburgh. L'incarnation de ce que doit être le hockey, c'est ce qui doit être le groupe. Absolument.
Pendant ce temps-là, à Philadelphie, on recherche un joueur pouvant remplacer Wayne Gretzky. Pensez bien que ça allait être avec Lindros, mais c'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas. Les Flyers ont gagné hier. Ils ont gagné par la marque de 3-1 contre les Bruins de Boston. John Leclerc a marqué. Il y a eu Éric Desjardins également qui a marqué pour les Flyers de Philadelphie. Vous avez vu le but de Sergei Samsonov. Les Bruins qui ont perdu hier par la marque de 3-1. Face aux Flyers de Philadelphie. On avait trois autres rencontres hier, Ligue nationale de hockey. Voici les résultats. Les Sabres de Buffalo avec Dominique Hachek, un jeu blanc, 3-0 contre Washington. Ça va être une petite pratique avant, bien sûr, les séries éliminatoires pour M. Hachek. Saint-Louis qui défait Los Angeles 3-2 et Colorado qui bat Dallas. Attention, approchez-vous. Voici ce que nous avons. Attention, il faut que ça reste 5 secondes à l'intérieur de la même case. Et nous avons pour Michel, nous avons... Oh, mon Dieu! Vous êtes parti d'un 10 000 à un autre 10 000 $ Donc, c'est bon pour 10 000 $ pour M. Mercier. De grande manière, ça nous fait plaisir. Alors, restez avec nous, mes chers amis, parce que tout à l'heure, en cas de l'émission Salut Bonjour, une autre personne va venir jouer à Route Fantine. À tantôt. Au revoir. Et en voir de toutes les couleurs. Entrez chez Décoration Paris et découvrez une équipe passionnée, appuyée par la plus grande compagnie de peinture au Québec, le groupe Sico. Aussi sur place, 10 décoratrices et designers passionnés de couleurs et de nouveautés. Et pour souligner ces 40 ans de passion, Décoration Paris vous offre en promotion de la peinture de première qualité Sico et Grand Diamond à partir de seulement $21.98. Décoration Paris, une équipe passionnée à votre service. Rue d'Arcor 4 de la Madeleine et maintenant boulevard Jean 23, Trois-Rivières-Ouest. Chez Alignement Maurice et l'équipe OK Pneus, on vend des pneus depuis longtemps et pour longtemps. Des pneus de grande qualité et sécuritaires, comme les pneus Cumo, des pneus à des prix qui conviennent à votre budget. L'équipe de Jean Trudel et Jean Lafrance vous offre le Cumo 792 Power Prima 2, un pneu radial 4 saisons de longue durée, garantie 130 000 km contre l'usure et protection contre les risques routiers. Alignement Mauricie dessert les particuliers ainsi que le secteur commercial, industriel et agricole. Alignement Mauricie, l'équipe OK Pneus, boulevard des Êtres, Chamonix-Gan. Découvrez le nouveau Piscine Les Forges, votre maître piscinier, redécoré, agrandi, pour encore plus de choix et de services. Piscine hors terre, 24 pieds comprenant système de filtration, trousse d'entretien, échelle de résine et beaucoup plus, pour seulement $1,299 ou $30 par mois, zéro comptant. Aussi disponible éclairage à fibre optique pour Piscine hors terre. Piscine Les Forges, votre maître piscinier, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Piscine Les Forges, la référence. Pour rénover, vous construisez, Balcon Mauricien Incorporé de Shawinigan est là pour vous aider. Balcon Mauricien est le seul manufacturier de la région à fabriquer sous un même toit en aluminium et balcon de fibre de verre. Balcon Mauricien, c'est le standard de qualité supérieure en matière de balcon et rampe d'escalier en Mauricie. Faites directement affaire avec les propriétaires. Pour une estimation gratuite, où que vous soyez, appelez-nous au 539-6226 ou encore sans frais au 1-888-539-6226. Balcon Mauricien Incorporé, rue Euradéville, Shawinigan. Eh bien, chers frères et bien, chers sœurs, en cette grande période de sollicitation, vous serez sujet aux démons de la tentation, du désir, du convictuillard. Ce serait dommage de ne pas profiter du financement à l'achat de 2,8% pendant la vente du ticket rouge Toyota. Pendant cette période, l'enfer est bleu, mais le ciel est rouge. Une femme voit ses trois sœurs mourir du cancer. Elle a peur d'être attaquée, elle aussi, par cette maladie. Bien qu'elle soit en parfaite santé, elle décide de prendre les grands moyens. Elle se fait enlever les deux seins. Un reportage choc ce lundi au TVA de 18 et 22 heures. Le TVA en fait vous est présenté par Plan Sport. Bon matin, madame, messieurs. Un jeune homme de 18 ans s'est tué en manipulant une arme à feu dans la nuit de vendredi à samedi. La victime, Patrick Evangeliste, était en compagnie de quatre amis dans une résidence de Saint-Paulin. Il a exhibé un revolver, mais un projectile est parti. Le jeune homme l'a reçu à la tête. Ce décès est considéré comme un accident. La Sûreté du Québec enquête afin de déterminer notamment à qui appartenait l'arme à feu. Un camionneur est resté coincé dans son poids lourd pendant 2 heures hier midi.
Le semi-remorque s'est complètement renversé dans une bretelle de l'autoroute 30 à Bécancour. L'habitacle a été écrasé et le chauffeur a subi des fractures. Il semble que le camionneur ait perdu le contrôle de son véhicule, vraisemblablement en raison d'une trop grande vitesse. Et environ 15 000 personnes ont visité le Salon du Livre de Trois-Rivières, mais depuis l'an dernier, les conférences ont été particulièrement courues, notamment une discussion dans le cadre de l'événement Duplessis. Les organisateurs de l'événement sont plus que satisfaits, le Salon du Style a pris sa place. Plusieurs éditeurs ont déjà promis d'être de retour l'an prochain. D'ailleurs, le Salon de l'an 2000 affiche presque complet pour ce qui est de la vente de kiosques. Passez une très bonne journée. 7h24 minutes, permettez-moi de citer la lettre que nous avons reçue. Ça nous vient de l'école Saint-Jean de Lalande. C'est écrit: cher M. Mongeau, nous aimerions qu'il y ait plus de bonnes nouvelles à la télévision, car cela rendrait les gens plus heureux. Les personnes concernées seraient encouragées à continuer. À l'école Saint-Jean de Lalande, nous avons formé un comité des bonnes nouvelles. Pendant la semaine, les élèves et les professeurs écrivent de bonnes nouvelles qui sont affichées dans les corridors. Mm-hmm. Et le vendredi matin, ces bonnes nouvelles sont lues à l'interphone par deux élèves. Signé Véronique Sévigny, Stéphanie Veilleux, Sheila Toubas-Parent, Jessica Sévigny, Hélène Fillion, qui est enseignante, Rose-Marie Carrier, Mario Poirier-Capucci, Mirva Soucy également, même Nicole Marceau, qui est enseignante. Oui, mais des fois, on n'a pas le choix, ce sont des incontournables, comme par exemple le Kosovo, n'est-ce pas, Jean? Hélas, hélas. Alors écoutez, au Kosovo, ce qui se passe, il y a quelque chose d'intéressant peut-être au niveau diplomatique, c'est que le président Clinton doit s'entretenir au cours des prochaines heures avec le président russe, Boris Yeltsin. Alors, est-ce que Boris Yeltsin aurait parlé à Milosevic? Est-ce qu'il aurait quelque chose à proposer à M. Clinton? Ou dans du côté de M. Clinton, est-ce qu'il pourrait proposer quelque chose? Ça reste encore à préciser, mais toujours est-il que, bon, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie sur le plan diplomatique, il y a toujours de l'espoir. Mais entre-temps, il y a l'OTAN qui continue ses bombardements, 26e nuit d'affilée. On a bombardé, bon, le territoire yougoslave, en particulier le parlement provincial de la province de Vojvodine à Novi Sad, plus précisément le parlement qui a été frappé. Également une usine pétrochimique, ce qui a provoqué un incendie monstre. Évidemment, il y aurait un autre pont qui aurait été frappé également. Et pour ce qui est de l'usine pétrochimique, apparemment, ça pourrait provoquer un désastre environnemental. Alors, Pristina, également la capitale du Kosovo, qui a été touchée principalement son aéroport. Entre-temps, les réfugiés, ça demeure un problème majeur, surtout que ce matin, on apprend que les forces serbes auraient bloqué, là, depuis quelques heures, les accès vers la Macédoine, vers le Monténégro également. Alors, des dizaines de milliers de personnes qui ne pourraient se rendre à la frontière et traverser l'autre côté parce que l'épuration, la purification ethnique se continue de plus belle. On a même vu par les familles des charniers. Alors, pas drôle du tout, tout ça. De retour chez nous, il y a une semaine aujourd'hui, disparaît la petite Jolaine, rien d'autre. Oui, et puis toujours sans nouvelles de cette fillette de 10 ans, Dominique Carpin. Est-ce qu'on a orienté nos recherches ailleurs maintenant? Ouais, les policiers sont à la recherche de Jolaine Riendeau, mais d'abord et avant tout d'une piste, parce que depuis maintenant une semaine, les policiers ont véritablement fouillé tout le secteur de Pointe-Saint-Charles, et vraiment, ça s'est avéré vain jusqu'à présent. On a agrandi par la suite le secteur des recherches à Montréal, à la Rive-Sud, également à la Rive-Nord, et ça n'a rien donné. Alors, les enquêteurs qui ont été libérés, les enquêteurs des crimes majeurs, maintenant, vont se concentrer sur les informations qui ont été fournies par le public via la ligne téléphonique. Alors, au cours de la journée et des prochains jours, si les recherches se poursuivent, c'est là-dessus qu'on va axer les efforts. Et d'ailleurs, je vous rappelle ce numéro de téléphone qui est très utile pour les policiers. Il s'agit du 280-3492, 280-3492. Merci, Dominique. Au revoir. M. Parizeau, un penchant pour le dollar américain. Oui, beaucoup. Alors, on sait que lors du dernier référendum en 95, on prônait davantage pour garder le dollar canadien, advenant la souveraineté du Québec. Alors là, M. Parizeau, qui opte davantage pour le dollar américain, parce qu'il dit qu'avec l'expansion que pourrait prendre l'accord de libre-échange, bon, Canada, États-Unis, Mexique, ça va s'étendre éventuellement à d'autres pays. Et étant donné que ces pays qui pourraient adhérer à l'ALENA opteraient davantage pour le dollar américain, M. Parizeau dit qu'un Québec souverain pourrait en faire autant. Pourquoi pas? Et entre-temps, il a profité également de cette grande assemblée qui avait eu le Conseil général du Bloc québécois fin de semaine à Rivière-du-Loup pour dire que le Québec doit profiter de toutes les tribunes internationales pour défendre ses propres intérêts, non pas se fier à Ottawa, et également faire la promotion de sa souveraineté. Le transport scolaire qui fait l'objet d'un nouveau de recommandation. Eh oui, encore une fois, après 7 ans après le rapport, d'un rapport qui avait fait beaucoup parler, le rapport Bouliane à l'époque, alors aujourd'hui, un autre rapport qui est publié qui n'est pas très tendre non plus à l'égard du transport d'écoliers.
Marie. Oui, en décembre dernier, Michael, du Lac 5 ans, est mort écrasé par un autobus scolaire à Saint-Henri-de-Lévis. Maintenant, il y a la coroner Louise Nollet qui s'est pensée et qui a émis des recommandations. C'est qu'au moment de l'accident, le numéro d'identification de l'autobus était affiché dans la vitre avant du véhicule. Il y a aussi un système de dézivrage qui avait été ajouté dans le pare-brise, ce qui fait que le champ de vision du conducteur était réduit de 75 %. La coroner demande au ministère des Transports d'inclure dans le Code de sécurité routière des règles précises en ce qui concerne la visibilité des chauffeurs. Il y a d'autres recommandations aussi qui concernent la commission scolaire impliquée dans l'accident, la commission scolaire des découvreurs. C'est que le petit Michael souffrait d'un retard intellectuel et dans ce secteur, les chauffeurs ont souvent à bord de leur véhicule d'autres enfants comme celui-là, des enfants qui souvent comprennent mal les conseils de sécurité qu'on leur explique. Alors, elles demandent qu'il y ait une meilleure communication avec eux et que les chauffeurs d'autobus soient sensibilisés à la situation. Merci, Marie. Au revoir. À plus tard. C'est le transport en commun à Toronto qui est perturbé. Exactement. Alors, ce qui fait que 800 000 personnes sont affectées par ce débrayage, des 7 800 employés du transport en commun. 78% des employés ont dit non aux offres patronales. Ces offres, l'aspect salarial, il y a 1% d'écart entre les offres et les demandes. Le syndicat veut 3% par année pendant 3 ans. La direction en offre 2% par année pendant 3 ans. Alors, combien de temps ça va durer? Ça reste difficile à dire, mais il n'y a pas de négociation prévue à court terme. Du côté de LCN, Candic Soileau-Douac, il y a une enquête qui continue aujourd'hui. Oui, tout à fait. Annie Gagnon est sur place. Vous savez, aujourd'hui, on va porter attention notamment à l'auteur d'un rapport en 1995 qui disait qu'il fallait sécuriser le site où a eu lieu l'avalanche là, au 1er janvier, au jour de l'an. Donc, il y a fait 9 morts, je vous le rappelle. Nous, on portera attention à ce témoignage notamment aujourd'hui, donc à LCN. Merci, Sylvain. Au revoir. Au revoir, Sylvain. À plus tard.